Bonjour à toutes et à tous, ici Tatsujiniro et bienvenue chers amis, bienvenue à nouveau pour votre second épisode de Ghost of Tale, le fantôme de la queue. Voilà, fantôme de la queue. C'est bien ça, fantôme de la queue. La dernière fois, nous avons vu la lumière du jour. Nous sommes sortis de notre cachot lugubre peuplé de rats, de vilains, méchants, pas beaux à rats. Et nous allons continuer pour essayer de trouver notre chérie, notre petite souris adorée qui nous attend. Tu m'appelles, Poulette? C'est toi qui m'appelles? Non? J'ai entendu un caca. Bref, ce joli petit jeu qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, c'était quoi déjà, le 12, je crois le 13, j'avais 2 jours de retard quand je l'ai fait. Enfin bon bref, apparemment ça vous a bien plu et moi de toute façon j'ai envie de faire la suite. Allons-y, voilà, ça c'est bien meublé pendant le chargement, c'est très très bien. Donc je rappelle qu'on sauvegarde en se cachant dans les tonneaux. Regardez qu'elle est mignonne! Avec ses grands yeux noirs et son petit cache-museau de chevalier. Et donc toi, mon gars, tu sais tout sur tout. Il paraît le forgeron qui sait tout sur tout. Pot de bave? Mais c'est dégueulasse. Lorsque vous lancez un pot, se brise, laisse une flaque de bave et peut faire glisser et tomber. Un garde pieds nus peut servir à créer une diversion. Oh! Peut servir à créer une diversion. Donc le jeu est plutôt beau. Alors vous voulez quelque chose? Puis-je savoir votre nom? Je cherche mon épouse. L'avez-vous vue? Puis-je savoir votre nom? Je n'ai pas d'argent à vous donner. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour que vous m'aidiez? Cet endroit est un vrai labyrinthe. Pouvez-vous m'aider à retrouver mon chemin? Besoin de plusieurs choses. Pouvez-vous m'aider? Bon bref. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Attends, on va déjà lui demander son nom. Parce qu'on est quelqu'un de poli. Quelle politesse, c'est Rollo. Rollo? Comment allez-vous, Rollo? Je m'appelle Tilo. Alors, Tilo, oui, c'est le... Bien, tu voulais autre chose? Oui. Non, merci. Je cherche mon épouse, l'avez-vous vue? Ça te coûtera des florins. Ça les vaut. Est-ce que tu peux mettre un point d'interrogation? Peut-être utile à autre chose? Oui. Attends, bouge pas. Cet endroit est un vrai labyrinthe. J'ai besoin de... C'est quoi déjà? Je n'ai pas d'argent. Voilà, je n'ai pas d'argent à vous donner. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour que vous m'aidiez? Oui, tu peux peut-être me filer un coup de main à la place. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Ce coup de main, de quoi s'agit-il? Il semble qu'un de mes marteaux se soit fait la malle. C'est ballot pour un marteau. Je peux pas le prouver, mais je ne serais pas étonné que ces deux voleurs de souris en détention soient au courant. Marteau du forgeron, parlez aux deux souris voleuses. Si vous pouvez me le retrouver, je t'en serais reconnaissant. Bon, et ben c'est déjà ça. Je vais essayer de garder mes florins, hein, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, on a une bassine vide. Après, on a une porte là-bas. Donc, on a de la lumière, on a de la bave. Ok, je sais pas du tout où je vais. Ah oui, attends, j'avais pas une... tâche quête, compétence. Ah, est-ce qu'on a des points de compétence? Compétence, je dois pas avoir assez... Qu'est-ce que c'est? Il m'a vu. Oh mazate, il m'a vu. Où je vais? Que fais-je? Fougère. Oh putain, il va me voir aussi. Cours malheureuse, cours petite souris. Mais où je vais là? C'est verrouillé.
Il faut une clé d'armurerie. Non, non, non. Putain, il m'a fait mal, là. Il m'a fait mal, il m'a fait mal. Est-ce que je peux encore... Non, 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 tu vois rien. Tu vois rien, monsieur. Allez, cours, 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 petit souriceau. Tiens, cache-toi dans le tonneau. Vite! Oh, c'est pas vrai. Est-ce qu'ils m'ont vu? Non, ils sont derrière. Ok, ça a l'air pas mal. Par contre, est-ce que tu seras assez con pour ressortir du même côté? Oui! Cassos, cassos, cassos. Ouf! Donc il est juste là, le rat dégueulasse. Putain, il m'a vu de loin. Bah oui, forcément, il fait jour, alors, et bah voilà. Du coup, il fait jour, du coup, il me voit. Alors, on est allé par là, tiens, une échelle. Mais monte plus vite, il va nous voir encore. Comment je passe par là? Du coup, je suis passé. Et il n'y a pas moyen de monter plus haut. Vous croyez qu'il me voit d'ici? Non, j'essaye de sneak, vous le voyez peut-être pas, mais je vais me cacher derrière le petit seau. Le souriceau qui se cache derrière un seau. Bon, allez, cassos. Je me suis fait mal? Non, ça va. La porte. Je sais absolument pas où je vais. Seule chose que je sais, c'est que bah c'est pas forcément la peine de revenir sur nos pas. Et que j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est, ça s'abrit? Oula, j'ai eu peur. Où est-ce que je suis, nom de Zeus? Bon, bah, ça a l'air déjà vide ici. Non, c'était... Attends, c'était... T'es un sac. Non, mais j'avais bien une histoire. Non, 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 non. Oh, putain, mais il est en temps réel, ce jeu à la con. Oh, putain, non, j'ai tombé. J'ai tombé, est-ce que je peux... Caché dans le genre... Ici, hop, mais non, mais c'est... Je vais me faire buter... Cours, saloperie, cours. Ah bah, je suis mort. Bon, bah, ok, d'accord. Bah, ça commence bien. Et puis, se pose pas. Bon, bah, ok. Bon, bah, ça va pas. Ça va pas. Il est essoufflé. Il est essoufflé. Il est mourant. Il va mourir. Ah oui, oui, j'oubliais. C'est vrai qu'elle est fermée, cette porte. Bon, petit, cours. Cours pour ta vie. Non, c'est fini, je suis mort, ok. De toute façon, on va tout recommencer. Ça a été sauvegardé. Ah, ok. À quoi ça sert qu'il ait une armure et différentes... je sais pas... Je peux le prendre, ça? Ah bah oui, je peux le prendre, ok. Toi, ça t'embête pas, monsieur le forgeron, que je te pille ta boutique? Il est cool, ce forge-lol, là. Une bouteille. Est-ce que j'ai pris la bave? Oui, il semblerait que j'ai à nouveau cette bave. On peut peut-être essayer d'aller vers la gauche, un peu. Tcha, 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 tcha. Souris ninja. Je ninja. Non, saute. Saute, conne de souris. Le tonneau, il y a quelque chose dans le tonneau? Non, il n'y a rien d'utile dans le tonneau. Bon, alors, je vais encore tomber sur un garde. Ça va être beau. Ça va être beau. Ils vont me tabasser ma tronche de petite souris. Je suis pas sûr qu'il faille tomber là-dedans. Excusez-moi, y a-t-il un garde dans le coin? Oui, il y a un beau garde là-bas qui ne dort absolument pas. Par contre, il ne regarde pas ici. Ok, le placard. Le placard est vide. Ouh, celui-là pour être... Pour passer par là, il va falloir attendre qu'il
Faire diversion, peut-être. C'est bien aussi faire diversion. Tu sais quoi? Faire diversion et se cacher dans le placard. Peut-être qu'il va se barrer. Il n'y a rien là-dedans. Mais j'avais pas un plan du bâtiment. J'arrête pas de chercher ce foutu plan. Vêtements, livres. Ah, j'ai plein de livres divers. Les tarots. Une petite souris. Bon, ma mandoline. Clé. Ah oui, j'avais mis la main sur un truc de garde là, le. Oh, regardez, il a un petit. Ah, c'est sympa. C'est très très sympatoche. Est-ce que je peux monter par là? Non, hein. La grimpette, ça est. C'est pas ton truc, ma souris. Hein. Bon. Voyons voir si je peux faire diversion. Peut-être une bouteille, éviter de. Un bâton, apparemment, ça fait peut-être plus de bruit. Mais j'ai pas pris de bâton! Pff. Ok, point bouger, point bouger. Absolument pas! Ok, d'accord, on va essayer, mais plutôt de l'autre côté. Et de le lancer hyper loin. Tu lances comme une fille! Il lance comme une fille. Sauvegarde, malheureux. Sauvegarde. Est-ce que t'as décidé à te barrer? Pas du tout. Tu reprends ta place? Oui, il reprend sa place. C'est une catastrophe. Attends, est-ce qu'il y a une commode là-bas? On va essayer de sneak. On va essayer de sneak doucement. Oui, attends, bouge pas. C'est possible. C'est possible. Ça va prendre du temps. Mais c'est possible. Requis clé. Alors, et sans déco. Je suis baisé. Je suis baisé, je suis baisé, je suis baisé. Comme Damien Bézé, mais en pire. Vous êtes aveugles, les mecs. Hein. Vous êtes pinaise d'aveugle. Hein. Du coup, bon, bah, c'est cette porte qui ne sert strictement à rien. Est-ce que tu vas me voir, mais genre à une vitesse phénoménale? Bon, bah, cours. Cours, malheureux, cours. Est-ce que tu m'as vu me cacher? Putain, pas du tout. Ok, bon bah. On peut pas passer par là, les enfants, pour l'instant. Peut peut-être passer de l'autre côté, mais c'est vrai que là, pour l'instant, le garde, là, je vois pas. Je pensais vraiment. Bon, j'ai atteint la porte, hein. J'ai atteint cette foutue porte, mais. Non, mais. Oh, des épées. Alors, si tu serais un poil courageux et badass, tu prendrais une de ces épées rouillées, tu commencerais à buter du rat. Mais non, t'es qu'une petite souris ridicule. Oh, c'est bien. Ça dort dans le coin, on peut ramasser du fromage. Une carte de tarot. Une autre carte de tarot, un tiroir qui est vide, du frometon, une pomme, un rakidor, des florins, un autre foutu rakidor.
Fais dodo, les rats, mes petits frères. Fais dodo, vous êtes des salauds. Clé. On peut peut-être les... Oh, ça s'est ouvert, ça. Oui, non, mais te cache pas, couillonne. Oui, non, mais... faudrait peut-être que j'arrête. C'est vide, tout ça pour ça. Est-ce qu'on peut les voler? Il y en a un qui bouge. Est-ce qu'il y a quelque chose à voler? Non mais c'est pas possible, bougez pas là, je vais me cacher, je vais sauvegarder parce que je sens que je vais faire une connerie moi. Je sens la couille arriver. Mais non, mais faut... Oui, il faut voir ce qui... Pourquoi j'ai fait ça? Mais est-ce qu'il a une clé sur lui? Ah ouais, mais genre je... Bon, d'accord, ok. Non, non, mais c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais voir s'il y avait une clé sur lui. Voilà, charger la dernière sauvegarde. Hein, d'où l'intellectualité, hein, d'où la culturisation de sauvegarder tout de suite. Vous voyez que le grand esprit que moi je suis, voilà, du verbe être. Pot de chambre. Bon, disons que si je m'approche de lui et qu'il me dit rien, je monte pas sur le lit ce coup-ci. Se cacher. Non, c'est vide. Hein, normalement, ils peuvent avoir une clé. Un petit coffre. Coffre est verrouillé. Clé de mal. Bon, ça je prends parce que c'est pour Bibi. Mais qu'est-ce que vous avez à avoir des placards vides et des... Vous êtes des... Putain, il y en a encore un là qui dort. Superbe. Alors, hé. Ah bah voilà, une bougie, des florins. C'est déjà ça? Je peux récupérer le machin là? C'est quoi ce bignou là? C'est... Non, c'est une bouteille, ça, c'est pas grave, c'est une bouteille. Alors, je peux peut-être récupérer l'armure qui est là. Ok. Il n'y a rien dans le tiroir. L'armure. Tu donnes l'armure, monsieur. Punaise, mais tout est fermé à clé. Ils ont peur des voleurs ou quoi? C'est le voleur qui dit ça. À trouver un plastron. Trouver une paire de quoi? J'ai des objectifs, moi. J'ai des objectifs, mais je me balade. Bon, j'ai compris. J'ai compris. A-t-on fait le tour? Oui, on a fait le tour. Alors, c'est... Encore une fois, c'est pas ça. C'est le plastron de garde. Donc en théorie, ils me tueront moins vite. Regardez-le comme il est beau, mon petit souriceau. Par contre, il va s'en... Tu sneak pas là, hein? Tu sneak pas, hein? Tu cours pas non plus. Ok, d'accord. Ça a été... Bon, elle pue du cul cette armure en fait. Elle pue du cul. Il peut pas sneak avec. Elle pue du cul. Non, mais qu'est-ce que tu me fais, petite. C'est quoi, c'est ça, hein? Bah oui, il y a des. C'est marqué juste là en dessous. Bon, bah, allons-y. Je vais quand même aller choper l'armure qui est là-bas, chers amis. Pardon d'être mort et de devoir recommencer autant de fois. Bon, maintenant on sait que bah, il n'y a pas grand-chose à part 4 florins dans le bidule là. Ah là 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 là. Ça c'est de l'infiltration. Solid Snake. Discret comme une souris. Enfin, Snake, Snake, moi je suis une petite souris, j'aime pas trop ça les serpents. Tu fais ce qu'on te dit, petit. Tu es un snake. Non, j'aime pas trop. Faut arrêter. Ils ont bouffé ma mère, mon père, mes frères. Non, t'es un putain de serpent maintenant. C'est toi qui vas bouffer ta mère, ton père. Mais t'es dégueulasse. Allez, on y va. Je suis en train de péter un câble là parce que c'est trop lent.
C'est trop lent, à mon avis. Est-ce que si je commence à courir un petit peu? Ouh, attends, il y a un tarot. Alors, ce qui est bien, vous l'aurez remarqué, c'est que j'ai beau mourir, il me laisse ce que j'ai sur moi. Un petit bouclier, un petit quelque chose, non? Bon, bah, il y a ça, c'est déjà ça. Ok, donc la salle des gardes est là, ils font leur dodo. Cassos. Non, c'est pas la nuit. Où il est l'autre vilain monsieur? Il est là. Est-ce que tu me vois? Lui, non, mais lui, si. Magne, toi. Ouh! Oh, il a l'air méchant. Oh, il a l'air très très méchant avec ses yeux rouges. Putain, mais il était où, lui? C'est pas possible. Oui, là, j'ai exploré. Je peux pas y caler. L'autre, il fait les allers-retours, mais c'est merveilleux. Ok, d'accord. Il est planqué là. Faudrait que je fasse diversion. Essayons de faire diversion intelligemment, s'il te plaît. Ok, d'accord. Alors celui-là, il est là. Est-ce que j'ai un bâton? Est-ce que j'ai une bouteille? Par contre, lui, il en a rien à carrer. Tu lances comme une fille! Il se déplace? Oui, il se déplace. Je peux pas. Ça pue du cul. Cours, 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 Martin, cours! Putain, mais il est essoufflé au bout de. Mais cache-toi! Non. Allez, cours, cours. Là, ils ne m'ont pas vu. Là, ils ne m'ont pas vu. Et là, je me cache. Non, je ne suis pas là. Oh putain! Bonjour. Hein. Putain, mais c'est chiant ces portes fermées. C'est terriblement chiant ces portes fermées là. Pourquoi vous fermez tout? On est déjà dans un cachot, dans une prison. Ah. Bon, allez, tourne-toi, toi. Ça va être short de le faire dégager, lui, hein. Ok, là-haut, on a déjà été. Est-ce que j'ai essayé cette porte? Je sais pas où aller, chers amis. Je suis perdu. Attends, on a déjà essayé par là. Ok, d'accord. Je vais peut-être essayer de le minder. Y a pas beaucoup de mots français pour dire minder, c'est-à-dire lui, comment dire le. Non, non, tu n'as rien vu. Oh mince, qu'est-ce qu'ils sont cons, heureusement pour moi. Oh, tu es con, hein? Attends, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Oui, va voir. Mais non, mais pas moi! Oh, c'est pas vrai! Putain, mais. Je sais pas du tout où je vais. Ok, non, non, mais parfait. Est-ce qu'il est venu jusque-là? Pas du tout, hein. Pas du tout, du tout. Et en plus, ici, ça a l'air d'être très, très safe. Je devrais vraiment parler au forgeron, n'est-ce pas? Je devrais vraiment parler au forgeron. Prends de la bouffe, prends de la bouffe. D'ailleurs, est-ce qu'on a mangé? Est-ce que c'est l'heure de manger? J'ai envie de dire. Attends, non, les outils. J'ai 3000 clés sur moi.
Alimentaire, tiens, bah mange ça déjà, comme ça fait de la place. La pomme aussi, parce que voilà, ça sert strictement à rien ce que je fais. Des carottes, elles sont-elles cuites? Une ruche abandonnée, la ruche est vide. Est-ce que tu as récupéré? Ruche est vide. Il fait quand même le geste. Ok, je devrais vraiment parler. C'est fermé. Bon, maintenant il faut encore savoir comment est-ce qu'on arrive à sortir. Est-ce que j'ai un bâton ou quelque chose? Au pire, je courrai. Enfin, j'essaierai de courir. Alors, laissez-moi deviner, vous vous rappelez du rat qui surveillait? Ce doit être le couloir, le même couloir. Et oui, en effet, il surveille bel et bien. Est-ce que tu viens jusque-là? Oh, mazette. Alors, il y a lui qui peut me voir, et il y a lui qui fait... Ok, ça c'est déjà ça. Non, 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 il y a un souci, il y a un souci, il y a un souci. Il faut faire diversion avec lui aussi. J'en ai plus qu'une là de machin de bave. Oh là là là. Ok, ça a marché, oui, ça a marché. Il va me falloir des morceaux de bois, il va me falloir des bouteilles. Ça, c'est l'autre garde. J'ai aucune idée de où est-ce que je peux aller. Les cachots, normalement, on a fait le tour. Je suis sûr que c'est tout à fait inutile ce que je suis en train de faire et qu'il fallait d'abord parler au forgelol. Mais je suis un sac et je suis allé chercher ces outils et 8 bâtons. La richesse des bâtons. La richesse, j'ai peur. Alors par contre, on peut faire la chose suivante. Oh là là, l'ambiance est vraiment superbe, vraiment très très beau petit jeu, hein. Je suis la souris terrifiante, craignez-moi. Moi et mes moustaches superbes, soyeuses. Ok, bon, alors là, ça a l'air d'être plutôt calme. Et c'est là que je découvre un monstre. Il va falloir penser à sauvegarder, les enfants. Vraiment, il va falloir penser à sauvegarder. Je vais me cacher dans le... Ici. Voilà. Hop là, hop là, hop là, hop là. Oui, avec la lumière en plus, bravo. Mais il n'y a plus rien là. Si, 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 c'est par là, mon gars. Tu veux pas... Est-ce que je peux faire ça comme ça, genre... Non, mais il ne retombe pas, connard. Tu te retournes pas, toi? Non, il se retourne pas. Ça, c'est un bon rat. Ça, c'est un bon rat. Avec une gueule dégueulasse, mais c'est un bon rat. Oh là 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 là. Me dis pas que tu vas jusque-là, toi. Je suis dans l'ombre, je suis caché. Aucune idée de où je vais. C'est catastrophique. Cette vidéo est une catastrophe. Tu mets un pouce rouge. Mais t'es con de dire aux gens de mettre des pouces rouges sans déconner. Bon bah je vois plutôt que... On est dans l'antre du méchant. Bonjour, y a-t-il un méchant dans le... Là-haut, hein? Là-haut, il y a bien un rat.
vilain, méchant, dégueulasse, je peux me cacher sous la table. Et je sauvegarde. Est-ce qu'il va me voir? Tu vas te mettre ici, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelque chose à part du fromage, une carte de tarot? Il va faire le tour. On va monter. Pff, si j'y arrive. Alors, à la minute où je vais me décider à sortir. Lui va se retourner pour faire le tour de la table. Ok, il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Il va monter. Il va monter. Qu'y a-t-il ici? Une autre pièce, une malle, un coffre. J'ai une bougie. Moi, bon, mais c'est fermé à clé, évidemment. Ce serait trop beau, sinon. Je sais pas. J'ai vraiment envie d'éteindre la lumière. C'est pas possible de. D'avoir la lumière ici parce que c'est. Oui, alors tourne-toi. Oui, non, mais tourne-toi. Et regardez la confiance. Prends, t'aurais des couilles, tu l'assommerais. Une clé, les enfants. Ça, c'est là, il y a une clé. Et ça, c'est bien, ça, les clés. On aime les clés. Ok, je continue à monter. Tant pis pour le coffre. Oh là 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 là. Je sais pas du tout où je vais. Alors, admettons que ma copine soit une bonasse petite souris. On est d'accord que le maître des lieux va la mettre en haut, genre dans un appartement sympa, cosy, et faire hé, poupée, regarde-moi, je suis le chef ici. T'aurais plus intérêt à m'épouser moi plutôt que l'autre petite souris qui fait un peu pédé sur les bords. Voilà, non, faut dire les choses. Faut dire les choses par rapport aux rats qui sont là, qui ont les yeux rouges, dégueulasses, qui sont prêts à te buter. Ah oui, pour un. Oui, je suis pas sûr qu'il y ait des appartements dessus, peut-être là-haut. Et lui, faut lui parler, lui. Tu vas pas me manger? Mais t'es un rat. T'es un rat dégueulasse. Rat mystérieux. Allons-y. Tu n'as rien à craindre, souris. Je ne te veux pas de mal. Je n'ai pas peur. C'est vous qui m'avez laissé la clé? Ah oui, bonne question. Oui, tu as l'air déçu. Non, pas du tout. Avoir un copain, c'est bien. Avoir des amis, c'est important. Mais ça, j'étais écrit en Muriedine. Pourquoi? J'imagine que je suis surpris. Oui, enfin, je suis surpris qu'un rat m'aide, en fait. Mais je suis pas une souris. Pourquoi je pense comme une souris? Moi, je suis pas. Alors, par précaution, Muriedine, est-ce que c'est pas parce que c'est une musaraigne? Est-ce que ce serait le langage des musaraignes? Bon, bref, que voulez-vous dire? Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Oui, quel est votre. Comment tu. Chante une chanson. Chante une chanson? C'est un nom de famille? Tu sais ce que je veux dire. Et tu es ménestrel ou un bouffon? Un peu les deux, mon capitaine. Si tu es un ménestrel, alors chante. Ne choisis pas une trop longue. Rat aux deux queues. La coupe empoisonnée. La jeune fille qui refusa de chanter. C'est paradoxal, une chanson sur une jeune fille qui veut pas chanter, c'est bizarre. Quelle goutte de paradis. Ça a l'air joli. Une volée de corbeaux, oui. La balade du roi Pleutre. Le guerrier doré. Ah, ça me parle, le guerrier doré. Vas-y, chante. Par un triste matin à Valia. Guerrier doré, tu raconteras peut-être. Tu le rencontreras peut-être un jour. Alors, souris, quelle est la raison exacte de ta présence? Bah, déjà, j'ai plus envie d'aller en prison. Ça, c'est un peu chaud. Hein, j'ai plus envie de chier dans un seau.
Je pense que vous le savez déjà. Votre message m'a dit de venir, n'est-ce pas? Oh, je pense que vous le savez déjà. Tiens. Mystérieux. Le mystérieux étranger vous donne une lucta familière. Je crois qu'elle t'appartient. Merci, oui. Où l'avez-vous trouvée? Est-ce que c'est ma copine qui te l'a donnée? Dans le bureau du geôlier. Une personne qui te cherche. Ah, Mara, mon épouse. J'espère qu'elle soit ici, mais. Ah oui, merde, putain, j'aurais peut-être pas dû lui dire. Oh! J'ai vu la lucta noire dans ta sacoche. Je n'ai rien à dire à ce sujet, mon fils. Hein? Qu'à? Attends, c'est à moi de. Non, je comprends pas. J'ai vu le. Mon fils, je n'ai rien à dire à ce sujet. Alors, c'est le seul à nous aider. On va pas trop le snober quand même. Je suis désolé. Ça. Eh merde! Mara, je peux t'aider à la retrouver. Tu vois qu'il est gentil. Apparemment, son fils, il doit plus être de ce monde. Oh, c'est triste. Comment? Et en échange, et en échange. Je veux que tu ailles me chercher quelque chose. Très bien, j'accepte. Bien, je m'appelle Silias. Commençons sans tarder. Alors, pouvez-vous trouver Mara? Excusez-moi, je dois partir. Ben non, c'est pas le moment de partir. Arrestation et les transferts de prisonniers de la région doivent être enregistrés au clou. Ça prendra un certain temps pour que le message arrive à Yuva, mais ils sauront où Mara est détenue. Apporte-moi un colporteur. Un colporteur de cette cage. Ok. Sauvegarde automatique. Bon, eh bien, chers amis, ça se précise tout ça. Ça se précise. Ah. C'est un peu con cette armure là qui m'avait hypé. Oh putain, cours! Ouf. Ça t'embête pas que je picole un peu? Des bourdons, mais quelle idée de mettre des bourdons! Putain, j'ai plein de bouffe que je n'utilise jamais. Un scarabée. Message d'espoir. Donnez le scarabée à Silias. C'est ça ton colporteur? C'est ton. Bon, bref, dis donc, oh, ça commence à faire beaucoup, là, il fait partie quasiment 40 minutes la vidéo. Bref, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Ça a l'air d'obé du cul par là. Je vous prie de mettre un gros pouce bleu de l'amour. Ça, c'est une vue. Là, c'est beau. Ça sent la liberté. Ça c'est beau. Donc, gros pouce bleu, chers amis. Gros pouce bleu de l'amour. Parce que voilà, ça fait plaisir. Déjà, dans un premier temps, on me take. Ça soutient la chaîne. Et puis, bah, évidemment, ça. Soutien à la vidéo, ça fait des vues, ça fait du critique. Bon, bref, abonnez-vous aussi, abonnez-vous, c'est super important, ça monte tous les jours. Donc, des bisous à mes anciens abonnés, à mes nouveaux. Tchou tchou, bye bye, à la prochaine pour de nouvelles aventures.